avant d'organiser cette sortie, on était plus particulièrement intéressé par ce phénomène qui est très fréquent dans plusieurs villes qui sont proches des mers, hein, je tiens à le rappeler. Et on a fait pas mal d'exercices sur ça et dès qu'on a su qu'il allait avoir une sortie sur une ville qui est impactée par ce phénomène, on a été très heureux. J'étais très contente d'apprendre que cette année au Club Eco, nous allions faire une sortie à Holt pour travailler sur l'érosion des littoraux. J'ai hâte d'aller retourner dans ma classe pour leur dire qu'est-ce que j'ai appris. L'objectif était qu'ils puissent découvrir la station balnéaire d'Holt. La problématique du retrait de côte et des falaises. Comment une ville aborde les problèmes liés à l'érosion des falaises et en même temps se transforme pour devenir plus attractive d'une manière notamment touristique. Aujourd'hui, à Nausicaa, on vient voir une spécialiste, c'est une scientifique, c'est Noémie. Et on va parler, c'est par rapport aux saisons, si je ne me trompe. Le réchauffement climatique, que la Terre réchauffe avec l'effet de serre et que si, avec la, du coup, ça fait la montée des eaux. Et que si les personnes ils habitent sur des îles, ils seront submergés. C'est important parce que faut parler de l'écologie et parce que ça touche quand même la planète et c'est important. Il y a des animaux marins et même des animaux terrestres qui s'y habituent moins facilement que d'autres. Et il y a des animaux qui sont en voie de disparition à cause de l'activité humaine.